Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 août 2019 et aujourd'hui le sujet du jour est le libéralisme économique, sujet que j'avais à peine effleuré dans le premier volet de ma série sur la philosophie libérale. Donc pour aller plus loin, plongeons tout de suite dans la première partie. Ceux qui se revendiquent du libéralisme économique critiquent les régulations qui pour eux sont des entraves à leur liberté d'entreprendre. Ils prétendent se baser sur la philosophie libérale et son précepte la liberté. Sauf que le libéralisme, c'est effectivement la reconnaissance des droits individuels, et donc le droit à l'initiative entrepreneuriale en fait bien partie, mais c'est aussi reconnaître la liberté de tous. Et alors, quel est le problème, pourrait-on demander? Le problème est le suivant. Sans régulation, l'entrepreneur se croit libre de faire tout ce que sa morale lui autorise pour faire prospérer son entreprise. La difficulté, c'est que la morale individuelle diffère d'une personne à une autre. Tout du moins dans une humanité immature. Et donc si certains restent dans des cadres moraux acceptables, d'autres n'hésitent pas à recourir à des techniques visant à flouer le consommateur, à l'abuser, à le harceler, à profiter de sa faiblesse ou de son ignorance, etc. Faisant ainsi fi de sa liberté de choix. Exemple, quand j'achète des lasagnes, je ne veux pas manger du cheval. D'autres, aussi peu scrupuleux, n'hésitent pas à dévaster la nature pour générer leur profit. Alors que les conditions naturelles de la vie humaine appartiennent à tous. Et personne ne peut s'octroyer le droit d'altérer ces conditions sans entraver la liberté des autres de jouir de celles-ci, notamment celle des générations futures. Il y a aussi exploitation d'autrui par le travail d'enfants, les salaires modiques, les conditions de travail déplorables et les conditions sociales inacceptables, etc. Et tout cela contrevient au principe du libéralisme qui est de reconnaître les mêmes libertés à tous les individus. Personne ne doit pouvoir exploiter son prochain en profitant des conditions l'obligeant à accepter l'inacceptable. Souvent, la réponse qui est faite, c'est « les autres n'ont qu'à faire les mêmes efforts ». Sauf que, petit 1, le libéralisme est un principe. C'est la reconnaissance de la liberté de chacun comme un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui existe à la naissance. Il n'y a pas besoin de le gagner ou de le justifier. La liberté est reconnue de fait. Petit 2, ceux qui possèdent les richesses et qui se défendent en affirmant que les autres, au lieu de se plaindre, devraient en faire autant, en réalité, empêchent cette possibilité d'exister. Parce qu'ils oublient qu'ils ont profité des avantages de la communauté pour bâtir leur richesse. Éducation, infrastructure, progrès technique, main-d'œuvre qualifiée, stabilité économique et sociale, etc. Alors que par leur égoïsme à vouloir diminuer l'effort collectif, notamment par l'impôt et le patriotisme économique, ils détruisent peu à peu les conditions qui leur ont permis de faire fortune. Et ainsi donc empêchent ou rendent plus difficile cette possibilité pour les autres. En Europe notamment, la litote, la concurrence libre et non faussée, est devenue un précepte incontournable. Mais qu'en est-il vraiment de cette affirmation? La concurrence est-elle véritablement libre et véritablement non faussée? La réponse est deux fois non. Elle n'est pas libre, puisque certains pays, comme les États-Unis par exemple, mettent en place des droits de douane dissuasifs pour protéger leurs entrepreneurs. Entrepreneurs qui ne font pas nécessairement face aux mêmes difficultés quand ils exportent vers l'Europe. Et elle n'est pas non faussée, puisque d'autres pays tels que la Chine subventionnent leurs acteurs économiques, ce qui crée une distorsion de concurrence avec les Européens. Il faut ajouter à cela que les Européens prennent plus sérieusement le défi climatique, la santé et la sécurité de leurs consommateurs, et donc régulent leurs acteurs économiques en conséquence. Alors que les produits importés ne sont pas toujours fabriqués sous les mêmes contraintes. Donc là aussi, affirmer que la concurrence est libre et non faussée est soit une erreur, soit plus grave encore, un leurre. Pour répondre à la question, il faut d'abord bien avoir en tête le sens du mot « capitalisme ». Selon la définition du journal du net, le capitalisme désigne un système économique qui s'appuie sur la propriété privée des moyens de production. Mais comment s'obtient cette propriété privée des moyens de production? Est-ce que l'obtention de cette propriété est démocratique? Dans le sens où tout le monde peut y avoir accès? Puisque le libéralisme, c'est reconnaître les mêmes droits à tous. À l'évidence, non. Certains profitant de leur milieu social ou de leur réseau, peuvent aisément obtenir la propriété des moyens de production, quand ils n'en héritent pas tout simplement. Alors que pour la majorité, obtenir l'accord financier qui doit permettre l'appropriation des moyens de production est difficile, voire impossible. Le capitalisme est donc anti-libéral, puisqu'il ne permet pas à tout individu d'être le propriétaire de son outil de travail. Ce que par exemple le communisme prétend, puisqu'il affirme que l'outil de travail doit être la propriété du travailleur. Sans que, dans mon esprit, ça exclue l'initiateur du projet entrepreneurial. Contrairement au capitalisme qui ne réserve ce droit, ou plutôt ce privilège, qu'à ce dernier. Autre partie de la définition du mot capitalisme, il consiste à accumuler du capital de manière continue et régulière.
Ici, je souhaite interroger sur le sens du mot capital. Bien sûr, le sujet étant l'économie, c'est le sens commun du mot qui vient à l'esprit. C'est-à-dire une somme d'argent ou un bien de valeur investi dans un projet entrepreneurial. Mais le philosophe Pierre Bourdieu a introduit la notion de capital culturel. Il est donc permis d'élargir le sens du mot capital à autre chose que l'argent ou plus généralement la valeur marchande. Par exemple, au Japon où je vis, la santé est un business. Ainsi, le but de médecins qui investissent dans la création d'un hôpital qui est leur entreprise est de générer du capital, de l'argent. Mais pas seulement de l'argent. Leur but est aussi de générer une qualité de soins reconnue. Sans elle, les patients clients iront voir ailleurs. Et l'entreprise hôpital fera faillite. Donc, dans cet exemple, outre le fait de créer du capital financier, le but parallèle est de créer un capital social par les bons soins apportés. Si ceci est vrai et pas seulement dans cet exemple particulier, alors je demande. Qu'est-ce qui prime ? L'accumulation continue et régulière du capital financier ou l'accumulation continue et régulière du capital social ? En l'occurrence, la qualité des soins. Bien sûr, il faut un capital financier pour lancer un projet. Mais si le bien ou service offert ne répond pas à un réel besoin social, l'on pourra injecter autant d'argent que l'on voudra, l'entreprise fera faillite. De ce fait, le capital social prime sur le capital financier selon moi. L'investissement de départ peut être nationalisé, c'est-à-dire entre les mains de la communauté et pas celles d'acteurs privés comme les banques par exemple, puisque ceux-ci ne voient que le bénéfice du capital financier et ignorent le capital social. De plus, le capitalisme non régulé engendre les inégalités et les creuse, ainsi que la destruction de l'environnement, donc in fine de la vie humaine. Et les exemples pour illustrer ceci sont légion dans les actualités. Conclusion, le capitalisme est antinomique à la liberté puisqu'il permet l'existence des privilèges et l'exploitation des plus faibles, ainsi que la marchandisation de tout et de tous. Dans les faits et à travers l'histoire, seule une minorité, même si elle s'est élargie avec le temps, ne peut jouir du système capitaliste. Ne serait-ce que parce qu'il y aura toujours plus d'employés que de patrons, donc d'une minorité de privilégiés. Et je le rappelle, le libéralisme, c'est l'abolition des privilèges. Pour répondre à l'observation éventuelle affirmant que grâce au capitalisme, la condition humaine s'est améliorée, je dirais que cette amélioration aurait pu exister dans un autre système, tout en évitant les dérives du capitalisme. Par exemple, celui qui est à ma faveur, le socialisme. Car celui-ci, qui est un mélange de mise en commun et de libre initiative, a l'avantage de réguler les excès d'une libre entreprise potentiellement néfaste. Petit aparté, le socialisme est un système économique. Celui-ci doit s'inscrire dans un système politique démocratique. Les deux, même s'ils se confondent, ne doivent pas être confondus. Je vous laisse méditer ceci. Pour terminer, je veux vous raconter une anecdote personnelle. Un cousin avec lequel je partageais, semblait-il, une vision politique, était venu nous rendre visite avant d'aller poursuivre ses études à Londres dans la prestigieuse LSE, London School of Economics. Nous avions refait le monde comme c'était souvent le cas quand nous nous retrouvions. À son retour, nous avions repris notre discussion et quelle n'avait pas été ma surprise de le retrouver transformé dans sa vision politique du monde ou plus particulièrement de l'économie. Je me souviens que nous étions restés sur un désaccord quand il m'affirmait que l'éthique et l'économie étaient deux choses différentes. C'était pour moi la confirmation concrète de l'analyse de Bourdieu sur la reproduction des élites. Même sur un esprit libre comme semblait l'être mon cousin, avec l'éducation adéquate, la bourgeoisie, puisqu'il en est issu, reproduit les mêmes schémas de pensée. Schémas qui continuent de dominer le monde actuel. Ma conclusion est que le libéralisme économique ne vaut que s'il respecte les droits individuels. Le droit des consommateurs, le droit des travailleurs et le droit des futures générations à jouir d'un environnement propice à la vie. Ce qui n'est pas le cas avec le capitalisme. Pour aller plus loin sur ce sujet et illustrer par des exemples historiques la dangerosité du capitalisme, je vous recommande fortement le visionnage du documentaire « La stratégie du choc » issu du travail de la journaliste américaine Naomi Klein. Je mets le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que la vidéo elle-même en partage sur ma chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. Et comme d'habitude, je vais terminer par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France !